Bon, alors pour commencer, quel est le nom du groupe? Alors, le nom s'appelle Varwin. Varwin. Exactement. Quelle est Alors, d'où vient l'origine, le projet de monter le groupe? Alors, j'étais sûr qu'on allait la poser un jour celle-là, donc j'ai une réponse. Donc, c'est. En fait, vu qu'on utilise des instruments un petit peu particuliers, qui viennent d'Australie et d'Inde. Oui. Donc, c'est les deux villes en fait où j'ai trouvé ces instruments-là. J'ai trouvé voilà, leur âme. Et donc, il y a le didgeridoo qui s'est trouvé à Darwin. Et la sitar que j'ai ramené de Varanasi, et là où j'ai appris également à jouer. Donc, du coup, c'est un mélange des deux noms, Var et Wind. Varanasi pour la sitar et Darwin. D'accord. Et comment vous vous êtes rencontrés? Ça fait très très longtemps. C'est trop longue histoire. Parce que, ouais, on n'a pas assez de bande pour ça. Mais ça fait ouais. Et qu'on joue ensemble également. Donc, est-ce qu'un album sortira prochainement? Oui, ce sera prévu normalement en juillet. L'album est pour juillet, donc certainement mi ou fin juillet. Quel sera le titre de l'album? Comme les Led Zeppelin, Varwin, Varwin. Ouais. D'accord. Réponse claire. Alors, une question, alors. C'est, il n'y a que vous qui chantez Oui. Ou il a jamais tenté de chanter une si, fois? Si, on chantait un petit peu, mais là, en fait, je pense que ça peut t'expliquer là-dessus. Moi, je suis batteur. Le chant, on a chanté ensemble dans des projets différents auparavant. Là, c'est un tout nouveau projet, toute nouvelle atmosphère. Et, moi, je viens d'être embauché. Oui. Donc, je suis un patron assez terrible. Voilà, c'est tout nouveau et je me contente de couvrir correctement et de faire une de combler avec une atmosphère, une percussion déjà propre. Et, voilà, ça fait très peu de temps qu'il s'est intégré dans les positions en fait. Donc, du coup, il y a déjà beaucoup de percussions en semaine. Quoi. Ouais. Donc, pour le chant, on verra l'année prochaine. Voilà, tranquillement intégrer ça. Pour le prochain album. Voilà, où puisez-vous votre inspiration? Est-ce que vous inspirez par exemple d'artistes ou est-ce que vous... Non, je plaisante. Non, je médite beaucoup par contre. Et puis c'est surtout de tous les voyages que j'ai fait personnellement et qui m'ont apporté plein de visions différentes du monde. Et puis j'avais déjà beaucoup de textes d'avant, des questions, plein de choses qui me tapent. On sent que vous abordez des thèmes dans les chansons. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est des thèmes par exemple qui vous viennent du quotidien ou est-ce que c'est par exemple pour faire par exemple un peu comme les enfoirés des chansons à titre humanitaire? Non, je dirais pas que ce soit humanitaire, c'est en quelque sorte. Ouais, ou alors un message à l'humanité peut-être, oui, mais pas humanitaire dans le sens. Vous accrochez un arbre pour sauver un arbre, hein. Pour l'empêcher d'être abattu. Enfin, vraiment que ce soit un vieil arbre qui vraiment. Qui est un symbole. Non, mais c'est sans plaisanterie, c'est juste des différents. C'est des choses qui passent par la tête et puis voilà, qui sont des réflexions sur l'humanité en fait. Et sur comme tout à l'heure je te disais aussi, beaucoup les voyages. Est-ce qu'une tournée est prévue d'ici, par exemple, cet été? Cet été, on en a une petite de prévue, mais bon, vu qu'on n'a pas encore le label ni de production, c'est tout fait maison, on va dire, de l'album jusqu'aux tournées. Donc voilà, les dates tombent, mais petit à petit. Donc il n'y a pas une grande tournée prévue pour l'instant, que des dates d'avance. Mais vous espérez un jour, par exemple, faire une tournée nationale, voire mondiale? On verra ça. D'abord la Seine-et-Loire, ensuite la Bourgogne. Voilà, on va y aller morceau par morceau. Voilà. Le Beaujolais. Et puis surtout, voilà, juste l'envie de faire partager mes musiques aux gens. Et voilà, sans prétention, on verra après dans la suite. Alors. Et vous avez commencé le métier à quel âge? Oh bah, je commence à faire des vidéos depuis janvier 2011. D'accord. Pas très loin. Et donc un petit blog? Oui, un petit blog. Ouais. Tu vas me faire passer la... Vous avez une... Alors, vous avez un site, vous avez un YouTube, un Dailymotion, non? Il y a un site. Oui. Ouais, le site, c'est www.varwin.com. Et il y a également...
MySpace, Facebook, Twitter, Deezer, SoundCloud, j'en passe et les meilleurs, enfin pas mal de réseaux sociaux quoi, donc c'est aisément trouvé, facilement trouvé sur Internet. Google, Varvin, donc pas comme ici. Alors. Et vous trouverez les titres qui sont téléchargeables.